Afande, unaweza kutupa jina lako na utuambie nini kinaendelea hapa? Jina langu anaitwa Saudi Dunia Enyas, nikiwa komanda operationnaire ya kuongoza wazalendo, yani FDP. Kama naonekana hapa, tumekuwa siku mingi tukipigana na wa M23. Mnajua kama walitokea ya inchi ya inje. Kama nimeonekana hapa saa hii, ni kwani kuna tu sema vibaya, tunakatara kabila fulani. Sisi hatuna ubaguzi. Ndani ya Kongo kuko Mutusi, kuna kwa Muhunde, kuna kwa Mumbuti, kabila zote ziko ndani. Kwa sasa hapa niko na jeshi moja manatoka ndani ya M23. Ye peka nakuya kujiripoti. Niko naye hapa. Tuo natafuta ni mpate komite international. Basende tuwekeze maneno mingi sana. Merci. Alijiripoti ama umemkamata wakati umapigana? Yeye peke wakati tumepigana mapambano na kwa nguvu. Barijiripoti wakiwa wawili, mwingine nijua na uzika na magonjwa na memwacha ndani ya defense. Mwuma alijiripoti juzi. Yeye amekuya leo kutoka semo ya Buiza. Jina Sauri Dunia Inyasi, chefu ya operasyon wa wazalendo. Jina ako nani? Jina angu Gata Jean-Claude. Nani? Kaporal Gata Jean-Claude. Samani, afande, uneza kubali jina mwenye wa seme gizi anatoka kwa M23 na kwa hili ya meji ripoti. Takuwa kwa jina? Uneza mwereza kuna kwa Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023. Nous recevons monsieur Moïse Angi. Angi, ça va? Ça va très bien. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, merci à tout le monde. Bonjour à tous qui nous suivent de partout à travers le pays et à travers de l'autre côté des frontières, donc en dehors de nos frontières, quoi. Quelles sont les nouvelles ces matins à Goma? À Goma, ça va très bien. Il y a une certaine accalmie. La ville va très bien. Par contre, c'est vraiment la situation qui se passe en Israël qui m'a beaucoup plus préoccupé, cette actualité. Je suis au regret de voir les États-Unis apporter et se mobiliser pour les comptes effectivement de l'Israël, mais pour la République démocratique du Congo, ils appellent le gouvernement congolais à négocier et à privilégier une solution non militaire, alors que pour nos compatriotes de l'Israël, c'est déjà, ils apportent des armes, ils apportent tout ce qui est nécessaire. Je me dis que ça, c'est vraiment paradoxal. C'est assez, on ne peut pas continuer à observer ce genre de phénomène. Et moi, je me dis que les États-Unis devront apprendre à être sérieux à l'égard surtout de la République démocratique du Congo. Ça m'a beaucoup plus touché, en fait. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la sortie des États-Unis? Mais effectivement, comment est-ce que les États-Unis se mobilisent pour l'Israël et leur donnent toutes les armes possibles pour combattre Hamas, mais pour la République démocratique du Congo, le même pays nous dit de privilégier la négociation avec les terroristes. Pourquoi ils n'ont pas dit aux Israéliens de faire de même que nous? Donc on comprend directement ce qui se passe. Et ça confirme toujours la thèse que j'ai toujours évoquée, cette complicité, ce complot-là international au détriment de la République démocratique du Congo. On y va, mais on note vraiment avec regret ce comportement-là, je vais dire quoi, c'est ce comportement-là irresponsable des États-Unis à l'égard de la République démocratique du Congo. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est Congo Live. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023. Monsieur Moïse, on va parler de cette reddition, s'il faut le dire, ou défection, je ne sais pas, comme ça, je ne sais pas quel mot qu'il faut utiliser. Mais nous avons vu, il y a les images qu'on va balancer, certains éléments. D'ailleurs, nous l'avons interrogé hier à Kichanga, un élément de M23 qui s'est rendu au
c'est des groupes de Wazalendo à Kichanga. Comment comprendre ces signes? Alors, il faut juste dire que les rebelles, ils sont en débandade, ils sont en échec total, et c'est tout à fait normal qu'il y ait maintenant des défections. J'ai aussi suivi cette vidéo et j'ai été quand même surpris de voir des témoignages et des propos ici de gens qui sont venus du cas de M23. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont toujours aux abois et ils sont en échec total. Et moi, je pense que c'est le bon moment pour les compatriotes rwandais qui sont ici dans ce groupe rebelle de pouvoir être du bon côté de l'histoire. Être du bon côté de l'histoire, ça veut dire se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Si vous reconnaissez être congolais, que vous soyez Hutu, Tutsi ou je ne sais pas de quelle tribu, et que vous ayez été induit en erreur en intégrant le groupe rebelle du 1-23, je crois que c'est le bon moment pour vous, chers compatriotes, de vous racheter et de vous rendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo, voire même le gouvernement, est encore à votre disposition pour toutes les mesures possibles afin de vous démobiliser et faire tout ce qui va avec. Faute de quoi, vous risquerez de perdre votre vie pour rien. Ce qui vous téléguide, le président Paul Kagame, c'est un sanguinaire et qui ne veut que voir effectivement les sangs des Congolais couler du jour au lendemain. Nous n'avons pas de problème avec vous, chers Rwandais. Avec vous, peuple rwandais, nous avions un problème du leadership. Et ce leadership, il est issu de M. Paul Kagame. Heureux pour ceux qui commencent déjà à se racheter, mais je crois qu'il y a encore d'autres des brebis galaises qui doivent encore, une fois de plus, se racheter. Faute de quoi, nos compatriotes Wazalendo restent déterminés à anéantir ces groupes rebelles-là, ces groupes terroristes dits de 1-23. Donc, je crois que pour moi, c'est un appel à l'égard de tous ces compatriotes rwandais qui ont été mal, mal conduits ou qui ont été méconduits à pouvoir bien évidemment se racheter. Toutefois, je note ici que il y a ceux-là qui continuent à s'inscrire dans des discours de haine, dans des discours selon lesquels il y aurait effectivement un génocide où il y aurait effectivement déjà qui veulent s'en prendre aux Tutsis et aller bien au niveau des Massissi, chers amis, je peux vous dire que c'est faux et archi-faux. Une fois vous vous rendez, une fois vous déposez les armes, nous sommes à Ikea. Celui qui m'a précédé ici a été très clair. Il a dit, tout est mis au clair. Si vous voulez vivre en République démocratique du Congo en paix, en toute quiétude, soyez le bienvenu en RDC. C'est pays riche, c'est pays qui regorge des ressources immenses. Mais si vous voulez effectivement, vous vivre au Congo, mais en massacrant les populations congolaises ou en infiltrant effectivement notre système de défense et tout le reste, vous n'y arriverez pas parce que le peuple congolais est devenu assez vigilant. Essayez un peu d'harmoniser avec toutes les normes et toutes les réglementations possibles et vous allez vivre au Congo comme tout résident. Tout comme nous aussi, nous avions des compatriotes qui sont là chez vous au Rwanda et qui vivent en paix. Ceux qui sont en train de manipuler Paul Kagame, ceux qui sont en train de vouloir vous manipuler, comme pour vous dire que les Congolais sont vos ennemis, comme pour vous dire qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas de vous, je puis vous dire que ce sont les vrais inhumains et ce sont les vrais ennemis de la paix. Il faut ne pas accepter tout ce qu'ils vous disent. Nous resterons des voisins éternels. La frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne se déplacera pas jusqu'à ce que peut-être Jésus-Christ viendra. Voilà pourquoi je pense qu'on a tout intérêt à se créer un climat d'inquiétude, un climat effectivement de paix, plutôt que de nous entretuer comme des mouches. Alors, est-ce que, parce qu'en suivant l'interview de ce jeune qui s'est rendu au Wazalendo, c'est M23, cet élément de M23 qui s'est rendu chez Wazalendo, il dit qu'il a, donc leur mouvement, les rebelles ont subi vraiment des pressions de Wazalendo, et voilà pourquoi lui l'a décidé, parce qu'il a trouvé que à la rébellion, il risquait de se faire tuer, et il est presque, donc il n'y a rien, il a décidé d'aller vers les Wazalendo.
Pour vous, ça vous dit quoi? Ça, c'est un message fort. Je pense qu'il a dit haut et fort ce que beaucoup d'autres Rwandais, beaucoup d'autres compatriotes rwandais ne veulent pas dire. Et je pense qu'ils doivent avoir le courage d'emboîter les pas de ces jeunes qui a pris ce courage, effectivement, de dire tout haut la vérité. Ce qui est sûr, c'est que même si on peut s'enrichir dans des rébellions, même si on peut s'enrichir dans le terrorisme, je vous dis, ça s'appelle argent des sang. Ça s'appelle richesse des sang. Tout ce que vous pouvez avoir, des bêtes que vous pouvez piller, des maïs que vous pouvez piller, des mamans que vous pouvez avoir violées, des jeunes garçons que vous pouvez avoir obligatoirement pris et intégré dans votre mouvement, je crois que tout ce que vous aurez ne vous aidera à rien. Et peut-être vous mourrez comme une mouche, vous mourrez comme, je dirais, une bête. Tant mieux, effectivement, consommer le paix que vous trouvez de manière un peu respectueuse et de manière responsable. Donc moi, je dis coup de chapeau à ces jeunes qui a eu ce courage-là. J'espère que c'est ici l'occasion pour d'autres compatriotes à pouvoir l'emboîter les pas. Alors, ce matin, nous avons appris qu'il y a une reprise des affrontements dans les Bouisa et les jeunes se dirigent vers Rutshuru. Comment vous analysez cela? Bon, déjà, ils sont aux abois. Déjà, Massissi est sous le contrôle total des compatriotes résistants, des patriotes Wazalendo. Et le M23 essaie un peu de peaufiner des stratégies pour voir s'ils peuvent encore aller faire des sales besognes au niveau des Rutshuru. Ici, l'occasion de vous dire que nos compatriotes Wazalendo, une autre grande équipe se dirige au niveau de Massissi. On ne va pas vous laisser faire. Même à Massissi, on va une fois de plus en découdre avec cette barbarie de M. Paul Kagame, les sanguinaires, au point de pourchasser ces hors-la-loi jusqu'à la frontière congolo-rwandaise. Ils doivent retourner de là où ils sont venus. Les Wazalendo, ils sont partout. Ils sont révoltés, ils sont en colère contre, effectivement, les tueries des membres de leur famille. C'est inacceptable que vous puissiez avoir violé nos mamans, tué nos sœurs et nous obliger d'intégrer, effectivement, votre sale besogne et que nous puissions demeurer, effectivement, inaptes ou on puisse croiser les bras contre cette blague. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, moi je pense, autant que le M23 ont été... on récit des appels, ça et là, les appels à cesser avec cette barbarie, les appels effectivement à respecter les cessez-le-feu. Autant les Wazalendo qui constatent effectivement ces refus ne vont pas les laisser faire. Ils vont les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement et au prix du sacrifice, nous allons les battre. Vous êtes déterminé. Très déterminé à en finir une fois pour toutes avec eux. Notre pays tend vers les élections. Nous voulons voir tous les territoires, tous les pays participaient activement à ce processus électoral. Déjà, nos compatriotes de Massissi, à quelques jours, la CENI va déployer des matériels de l'autre côté pour enrôler de nouveau ses amis, voir comment est-ce qu'ils vont aussi être partie prenante au processus. Et ce qui soit Massissi, ça sera la même chose. Nous voulons le voir effectivement obtenir des cartes d'électeurs. Nous n'avons aucun problème avec le compatriote rwandais, mais nous avons un problème sérieux avec un monsieur qu'on appelle Paul Kagame, avec ses acolytes qui sont entrés dans nos populations. Nous avions un problème avec tous ces pays occidentaux qui continuent à appuyer le M23. Nous avions un problème avec, effectivement, l'Ouganda qui ne cesse d'appuyer les ZDF et consorts. Et nous les disons que le peuple qu'on les reste très déterminé et vigilant. Nous sommes en colère. Nous avions perdu beaucoup de nos compatriotes et nous n'allons pas vous laisser continuer avec cette sale besogne. Alors, Moses, vous dites en tout cas, en vous suivant avec un ton très ferme, voilà, et très déterminé pour dire que vous n'allez plus rien lâcher. Tout à fait, monsieur les journalistes, nous en avons marre, c'est assez, enough is enough, tel que disent les anglophones, trop c'est trop. Et vous êtes déterminé. Très déterminé, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais vous ignorez qu'il y a déjà les accords de Nairobi, les décisions des chefs de l'État de Nairobi et Luanda. Mais ces décisions évoquent notamment les cessez-le-feu, mais qui ne respectent pas ça, ce sont les rebelles du M23. Vous avez vu le gouvernement
il a dit très clairement, nous observons scrupuleusement les prescrits du cessez-le-feu. Mais maintenant, c'est les rebelles qui essaient un peu de mettre mal à l'aise les Ouazalendou. Et puis, il y a maintenant ce qu'on appelle une riposte des Ouazalendou. Donc, s'il faut évoquer ce débat-là, je crois que les rebelles n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument parce que ce sont eux qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Les détonations en armes lourdes qui sont entendues à Rutshuru et aux alentours, mais c'est provoqué par ces mêmes personnes, c'est provoqué par les acolytes de Willy Ngoma, de Bertrand Bisimwa, de Paul Kagame, pour ne citer que cela. Et les Ouazalendo, ils n'ont pas d'autre choix que de riposter. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Faute de quoi encore, on va violer d'autres mamans, on va tuer nos compatriotes et on va nous appauvrir jusqu'à la moelle épinière. Et ça, on ne peut pas tolérer. Et est-ce que vous ne pensez pas que cela peut-être ça pourrait retomber sur le gouvernement congolais, parce que vous savez, les chefs régionaux, même la communauté internationale, tous ces gens-là ont déjà décidé qu'il y ait vraiment respect et qu'il y ait cessé les faits et d'éviter des hostilités. On ne peut pas interdire quelqu'un d'exprimer son mécontentement, sa colère d'avoir perdu ce membre de famille. On ne peut pas interdire quelqu'un d'exprimer effectivement son sentiment de frustration. Est-ce que vous savez, messieurs les journalistes, combien de compatriotes de Rutshuru sont ici à Goma en tant que des déplacés de guerre? Vous pensez qu'ils sont venus pour rien? Non, mais c'est parce que leurs agglomérations ont été effectivement détruits, c'est parce que leurs maisons ont été vandalisées par les rebelles qui se trouvent à Goma. C'est parce que leurs chats ont été pillés par les rebelles et des marchandises transportées au Rwanda. Ces mamans sont ici à Goma. Qui les a chassés? Vous allez dire que c'est les forces armées. Non. Alors, quand ils évoquent les débats du cessez-le-feu, je crois qu'ils sont les premiers à voler ça. Et le gouvernement ne cesse de les rappeler cela. Donc, je pense qu'on ne peut pas interdire aux Ouazalendou de se prendre en charge. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui a perdu sa sœur de se défendre au risque de perdre lui-même sa vie. Tout ça, c'est vraiment tout à fait clair. Il n'y a pas de débat. Le M23 qui évoque ce débat-là, lui-même devrait les respecter, mais ce n'est pas le cas. En plus, on a tenté à maintes reprises de les approcher au travers, une certaine diplomatie avec les pays de la région des Grands Lacs, mais ils ne les respectent pas. Et moi, là, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut même plus envisager ou privilégier des assises avec les rebelles, voire même leurs acolytes qui sont ici des responsables de l'EAC et de ces autres organisations. Il faut juste les battre. Parce qu'effectivement, depuis longtemps, si vous essayez un peu d'interroger l'histoire, le gouvernement a toujours eu cette bonne foi de vouloir les entendre, écouter effectivement les revendications. Mais parfois, certaines de leurs revendications, elles sont inconcevables, on ne peut pas accepter. Quand ils revendiquent effectivement des terres ici au Congo, ils n'en ont pas, ça c'est d'abord clair, c'est peut-être au Rwanda où nous avions des terres. Quand ils disent qu'ils veulent intégrer notre armée, ça, les Congolais n'accepteront jamais parce que nous ne voulons pas voir un autre James Kabarebe à la tête de notre armée. Quand ils disent qu'ils sont des tribus minoritaires ici au Congo, c'est faux parce que la RDC regorge plus de 420 tribus qui sont ici au Congo. La multiplicité des tribus ici ne cause pas problème. D'ailleurs, c'est parmi l'une de nos richesses culturelles. Vous voyez, en analysant toutes les revendications évoquées par les rebelles, qu'elles sont non fondées et on ne peut pas les cautionner. Voilà pourquoi moi je pense que nous n'allons pas négocier avec ces gens. Et je suis au regret de voir des pays aussi comme les États-Unis qui sont en train d'appuyer l'Israël et d'autres pays qui sont sous agression, les donner des armes lourdes, mais pour la République démocratique du Congo, ces mêmes pays nous appellent à négocier. Si les États-Unis pouvaient nous appuyer au même titre que l'Israël, peut-être que cette barbarie de Paul Kagame prendrait fin. Mais en attendant que nous ayons l'appui de l'extérieur, on s'en prend en charge. Ah. Mais si jamais vous gagnez cette guerre-là, vous, Ouazalendou. Ouf de soulagement. Victoire totale, messieurs les journalistes. Si jamais vous gagnez, vous parvenez. Et nous allons vaincre. Gagner la guerre. Vous deviendrez qui
Après. Devenir qui? Mais on défend la terre de nos ancêtres. Une fois la guerre elle est vaincue, mais toutes nos mamans qui sont à Goma de déplacer vont revenir dans leur village. Nos compatriotes, effectivement, qui sont à Kanyaruchinya et qui sont d'autres qui sont à Don Bosco, il faut paisiblement revenir dans leur village et reprendre les activités champêtres. Ça, d'abord, ça va se faire. Une autre chose, des compatriotes Wazalendo qui ont pris ce courage-là de se défendre, n'étant pas dans les services de défense, c'est qu'ils vont mettre le vœu d'intégrer effectivement les forces de défense, mais le chemin, il est ouvert. Ils vont intégrer formellement les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais en attendant, ils défendent la terre des ancêtres en tant que des civils tout court. Et après la guerre, ils vont intégrer, certains vont intégrer l'armée. Et toutes ces armes-là qu'on voit. Mais ces armes, ils sont. Moi, je peux vous dire que les circuits d'approvisionnement de Wazalendo, ce n'est pas un débat sur lequel on peut concentrer trop d'énergie. Ces armes, ils viennent d'où? Certains, ils les récupèrent sur la ligne de front laissée par Wazalendo, quand ils sont ici, quand les Wazalendo tuent les terroristes, ils récupèrent ces armes. D'autres, messieurs les journalistes, ils font les débrouillards et ils font ce qu'ils peuvent faire. Les débats, si la question de savoir où comment comprendre les circuits d'approvisionnement en armes de Wazalendo. Il faut d'abord réorienter cette question et vous demander d'où est-ce que les terroristes tirent les armes. Si les terroristes trouvent des armes lourdes et que les Wazalendo trouvent les AK-47 et d'autres petites armes, il n'y a pas débat. Après avoir gagné la guerre, les armes seront... Ils vont remettre ça formellement à l'armée. Ils vont remettre ça aux responsables des forces de défense. Tout est mis en œuvre. Certains de ces Wazalendo, ils sont en bon terme avec l'État congolais. Ils sont ici et ils constituent, tel que je vous l'avais dit, la fierté nationale. Et je ne les vois pas refuser de remettre ces armes aux forces de défense. Et puis, s'ils ne remettent pas ça, je crois que pour certains, ça va les permettre d'assurer leur sécurité. Rien n'est rassure que si... Rien n'est rassure. Je vous dis, messieurs les gens, rien n'est rassure que si aujourd'hui on vient de déloger l'M23 à Massissi, demain ou après demain, ils peuvent revenir. Pour autant, pas que je ne dis pas qu'il faut laisser les armes entre les civils, mais je vous dis, la situation que nous traversons, elle est aussi complexe. Et parfois, certaines situations, il faut les comprendre telles comme telles. Bon, merci. Numéro de téléphone est plus 243. 99-25-42-946. J'ai dit bien plus 243 code Mboka. 99-25-42-946. Pour nos compatriotes Wazalendo, morale au zénith, vous avez le soutien de toute la population. Nous osons croire qu'avec la bravoure et la détermination qui vous anime, nous allons mettre en déroute l'ennemi du 1-23 et récupérer toutes les zones jadis occupées par ces acolytes de M. Paul Kagame. Déjà, il faut comprendre que les ancêtres vous appuient. Vous avez cet appui-là spirituel. Vous avez des compatriotes qui prient. Déjà là, nous irons. Moi-même, déjà là, je vais me rendre à l'église pour prier pour vous. Nous allons mobiliser toute la population pour vous apporter quelque chose à mettre sous la dent. Et nous osons croire que même Bunagana sera récupéré. Ensemble, sauvons notre pays. Nous n'avions que la République démocratique du Congo comme le seul héritage nous légué par les ancêtres, nous légué par Lumumba, par Lik Kulula et par tous ces compatriotes qui se sont sacrifiés. Et nous ne pouvons pas laisser cette terre, effectivement, par les laisser sous les mains de l'ennemi. Merci de nous avoir regardé sur Congo Live, dimanche 15 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bon dimanche, Moïse, merci. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous qui nous ont suivis. Merci. On prend les rendez-vous pour demain. Merci demain, à demain lundi matin. Merci, bye bye.